Salut les amis, c'est Dash. Bon bah nous revoici sur la suite de notre Let's Play sur Fallout 4, comme d'habitude. Nous sommes toujours devant Argent System, où je vous ai laissé la dernière fois, avec le Paladin Dance. Et ben, on va y aller, hein. On va rentrer là-dedans, on va aller chercher leur... Ils ont besoin d'un module pour amplifier le signal radio, pour pouvoir contacter la... confrère d'acier. Donc on va y aller, on va les aider à faire leur quête. Donc, ouf, c'est un peu, comment dire, un peu bizarre les lampes en fait. C'est un peu kitsch, je trouve. Bon. Le genre de corporation qui ont scellé le destin de l'humanité. Ils ont exploité la technologie pour engranger les bénéfices tout en fermant les yeux sur ses méfaits. Oh. Du Coca-Cola Quantum et deux chéris. C'est bon ça. Allez. Bon, le planète c'est là-bas, on va le suivre. Regardez ces épreuves. Quelqu'un s'est déjà chargé du système de défense automatisé, on dirait. Dommage, on a raté la fête. Je n'aurais pas dit ça comme ça. J'espère que vous avez raison. Regardez un peu. À une seule douille, à une seule goutte de sang, ces robots ont été attaqués par des synthétiques de l'Institut. Je serai sur mes gardes. Bien, on avance. Donc, on va continuer à fouiller un peu au passage. Hein. Et dommage, c'est qu'on puisse pas ramasser ce qui était sur les robots, parce qu'en général, les robots donnent... Il y en a qu'un qu'on peut ramasser, dans, en général, donne des piles à fission et tout, pour pouvoir s'en servir comme arme. Je relèverai les coordonnées du site pour une future mission de récupération. C'est le bordel, là. Essayez d'ouvrir cette porte pendant que je sécurise la zone. Alors, on va essayer d'ouvrir la porte. Qu'est-ce que ça dit ça? D'accord. Ok. Ouf, mot de passe du laboratoire. Bah, commande du laboratoire, c'est dit quoi? Connexion impossible du prototype, contacter le technicien, ok. Commande de la porte de sécurité. Ouvrir la porte, c'est ce qu'il m'a demandé de faire. Allez, on y va. Hop, hop, hop. Beau travail. Oula. Le Paladin, il vient de se faire charger par un... par des synthétiques. C'est de la fusion. Donc là, on va ramasser ce qui était sur les bonhommes de l'Institut. Ça viendra plus tard. On a de la compagnie. Bah, occupe-toi-en, hein. J'arrive. Hein. Je fais mes courses. C'est le bordel là-dedans. Attaque! Mais je peux pas passer, putain. Monsieur le paladin, ben, Dance, est-ce que vous seriez gentil de bouger vos fesses ou d'avancer ou de reculer, mais que je puisse passer? Non? Oui? Bon. Hop. Voilà. Ok. Et de deux. Ah, moi je suis comme ça, moi je laisse les autres tirer et je vole en attendant. Non, je plaisante, quand je suis en train de... quand je fais du crochetage, ça arrête le temps en fait. Ça y est. Donc il se passe rien de l'autre côté. Y'a personne ici. Bon, bah je pense qu'on a fait le vide. Je pense
pense que tout le monde est mort. En tout cas, tous ceux dans cette zone-là, en tout cas. Je vais finir de fouiller en haut avant de redescendre. Établi d'armes. Oh, c'est bizarre cette machine. Bon, il n'y a plus rien. Hein. On va pouvoir descendre au niveau du dessous. On va passer par le trou, tiens. Hop. Oh, une poupée. Une poupée extraterrestre, une fusée. On va prendre ça, c'est pas mal. Ça a une belle tête. Ça fera de la déco plus tard. Ça s'est cassé. Bah, sur quoi il est encore en train de tirer, lui? Génial. Bah, il est où? Où il est passé, le paladin Dance? Mais il est où? Ah, mais il est là. Ok, il tire sur des tourelles. D'accord. J'aime bien la quête. Couvrez le paladin Dance. Bah, en fait, j'ai rien fait. Il a tout fait tout seul. Donc là, ça, c'est par ici qu'on est arrivé. On est monté là. On va voir si on trouve pas des choses. Hein, parce que bon, on est un peu là pour ça aussi. Le but c'est pas de rusher comme des débiles les quêtes. Le but c'est de récupérer un maximum de choses. D'armes surtout. Parce que ça c'est le nerf de la guerre dans Fallout. Turatix, ça c'est bon. C'est quoi ça? Des boîtes d'épingles à cheveux sur les chiottes. Pourquoi pas? J'ai envie de dire pourquoi pas. Alors il veut descendre. Moi je peux pas descendre tout de suite. On va allumer la lumière parce qu'on n'y voit rien. Voilà, c'est pour ça qu'on vient nous, pour les armes. Hop, donc, par là il y a quoi? Là c'est un cul-de-sac, et là c'est un cul-de-sac. Il y a quoi derrière? Ok, ça roule. Les murs ont des oreilles. Lol. Sympa. il va aller jusqu'où comme ça? Nous approchons de l'objectif, le réacteur. Ok. Bon bah c'est parti, réacteur d'Arjet, hein. Merde, c'est bien la première fois que je vois un paladin sans son casque. Attention où vous mettez les pieds. Cette section est... Oh, oh joli. Alors y'a quoi par ici? Là où on peut pas monter ses CPT, il y a une salle là où je pense pas qu'on puisse y accéder. Ça, ça fonctionne pas. Donc on descend. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau par là? Et voilà. Oh, 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 oh. Ouh, je sens que je vais me faire plaisir. Une nouvelle arme. Alerte. Perte de puissance détectée. Réacteur désactivé. Ah, faut réactiver un réacteur, d'accord. Ok, c'est parti. Moi je suis désolé, hein, je prends un peu mon temps. J'ai besoin, on a besoin de beaucoup de choses pour avancer dans le jeu. Bon, je récupère au passage. Alors là il y a un ordinateur, un contrôle. Ça, réacteur à fusion, c'est pour moi. Ça m'en fera de plus. Non, ça nous en fait 6 maintenant. On récupère le fusible dans le bureau. Et on va s'occuper du réacteur pour remettre l'électricité dans la pièce. Allez, donc d'abord il faut craquer ce truc là. Alors, Maul, c'est pas bon, il y a une lettre sur 4. On va essayer avec Task. Une lettre sur 4 toujours. Et Arm. Ok, c'est pas bon, faut sortir, sinon on va bloquer l'ordinateur et là on pourra plus avancer dans le jeu. Donc, Army.
Il y a toujours une lettre sur 4. Donc c'est une lettre placée. Alors, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir tenter? Trip, il n'y a plus de lettre, donc c'était pas le R. Est-ce qu'il y a quelque chose qui finit par un Y dans ce bordel? C'est un peu difficile de voir. Ah, copie en bas. J'y suis. Nickel, c'était ça. Donc, option d'alimentation. Bah, démarrer les générateurs auxiliaires. Voilà. Alimentation du réacteur rétabli. Moteur thermique alimenté. Activé et prêt pour la mise à feu. Commande validée. Début du compte à rebours. Mise à feu dans. Oula. 5. Je suis un salaud en fait parce que je viens de lancer la mise à feu du moteur. Donc le moteur va s'allumer. Mais le paladin c'est toujours à sale. Ah. Mise à feu expérimentale terminée. Rapport d'efficacité 96,7%. Oh, c'est pas vrai. Vous allez bien? J'ai l'impression d'avoir été passé au barbecue, mais j'ai été sauvé par mon armure assistée. Le plus important, c'est que nous soyons encore en vie. Et l'émetteur est à portée de main maintenant. Allons-y. Bon, ben, j'ai failli cramer le paladin dense, et heureusement que c'était pas le cas. On va pouvoir ramasser tout ce qui traîne par terre, ramasser les armes, prendre des matraques. Par contre, j'ai un problème de pour porter. Ce que je vais faire, c'est que je vais ramasser tout ce qui est à ramasser et qu'après je vais faire le tri. On va virer toutes les armes parce que je dois avoir les armes en 36 fois là. Voilà, hop. Donc normalement je dois avoir les pistolets de l'institut. On va tous les foutre au sol. Parce que ça on s'en servira pas. Les matraques aussi. Voilà. Et on garde le reste. Voilà, ces trucs là on s'en fout. Donc là, ça s'est activé, donc on peut monter avec l'ascenseur. Ok, c'est parti. Il n'y a rien sur l'ascenseur. Ok, donc on est à ce niveau-là, donc on peut monter ou on peut descendre. Ah non, si je descends, alors... c'est le truc où je pouvais pas monter tout à l'heure, hein. Donc on va essayer, on va aller voir. Hop là, hein. Qu'est-ce qu'il y a par là-bas? Au niveau 2. Voilà, tout ça pour un pistolet, quoi. Vous avez entendu ça? Oui. On a de la compagnie. Tout ça pour un pistolet. Ah non, l'endroit où je pouvais pas aller tout à l'heure, c'est là-bas. Donc il va falloir que je saute de là-haut pour aller là-dessus. Ok. Sauf que là maintenant, bah faut que je retape l'ascenseur. Ouais, c'est normal. Allez, on descend. On recommence. Oh, laissez le paladin se faire joujou, ils sont immortels de toute façon. Donc on disait, parce que là-bas, je veux voir ce qu'il y a dans la salle. J'espère que c'était les derniers. Pensant. Hop. Pas là. Il est synthétique. Ils étaient peut-être venus chercher... Alors ça, c'est le joujou par excellence. Le Fat Man, c'est en fait un lanceur de mini-bombes nucléaires. Donc j'ai envie de vous dire, s'il y a un ennemi qui se trouve en face au moment où vous lancez la bombe, vous lui dites au revoir parce qu'il mourra quasiment instantanément. Ça dépend des ennemis en fait. Pour les robots sentinelles, les gros robots, il en faut deux. Mais bon, autant vous dire que c'est pratique. Ouais,
Et par contre, je crois que je peux déjà plus marcher. J'ai 20 kilos de trop sur moi. Il va falloir que je fasse un. Eh, hey, mais ça va pas la tête. Oh. Putain, des synthétiques quoi. Il y en a encore un là-bas. Alors, oups, je vais y remettre des points de vie parce que je sais pas si vous avez vu ma barre en bas. C'est pas génial. On va bouffer les fausses morir. Voilà, et hop, de l'eau. Voilà, bon. Donc, moi j'étais en train de faire joujou là-bas pour l'ordinateur avant de me faire attaquer. Pourquoi je peux pas utiliser l'ordinateur? Ah, faut que je sorte dans mon armure. Déjà, on va régler le problème de déplacement. Donc, il me faut 20 kg. J'ai 20 kg de trop. Alors, je vais dégager ça. Ça, ça, ça. Et deux casques de chantier. Un casque militaire. J'ai 6 vêtements de pillard. J'en dégage 5. Hein, parce que j'ai celui qui est sur moi. Voilà. Ah, oui, quand même. Déjà, on a perdu bien 20 kg. On va boucher du curry, bombe sucrée. On va bouffer un peu de trucs. Voilà, très bien. Nickel. Ah oui, ça je peux pas l'utiliser en étant dans l'armure. Je peux même pas le... Je peux même... Ah, ben ok. Je viens de voir pourquoi. Déverrouiller expert. J'ai pas la compétence expert pour les ordinateurs. Bon. Allez. Donc, on en était où? Donc il faut que je reprenne l'ascenseur, encore une fois. Ah là là, ça me fait plaisir, le Fat Man, ça me fait plaisir. Ça là. À ce chose là, c'est autant dire que c'est... Ah oui, le Fat Man n'est pas utilisé dans les couloirs, hein. Faut pas faire le gogo. Ça lance une mini tête nucléaire, autant vous dire que quand ça pète, hein. Ça fait pas semblant, donc utilisez-le quand vous êtes dans grands espaces, de préférence. Parce que sinon vous allez avoir un petit problème aux fesses. Croyez-moi. Passer derrière le paladin dance, il y a juste à ramasser les choses. Allez à la salle de commande. Oh bah 2 secondes. Hein. T'es gentil bonhomme, mais j'ai des choses à ramasser. Après, vous pouvez faire le contraire. Hein. Moi je préfère ramasser au fur et à mesure. Dans mon avancée dans l'histoire, dans mon avancée dans la zone. Par contre, vous pouvez vous faire le contraire, vous pouvez vous mettre à faire l'avancée très rapide, vous avancez très très vite sur la zone, et après, quand vous avez fini, vous pouvez revenir en arrière pour récupérer ce que vous n'avez pas ramassé, quoi. Ok, hop. Pourquoi je peux plus... Ah oui, bah oui, j'ai ramassé des choses encore. Casque militaire, on réactive. Casque... Pourquoi le casque de mon armure était enlevé? Ok. Ah oui, c'est parce que j'ai mis casque militaire, d'accord. Et il va falloir qu'on vire une arme, ou une connerie comme ça, parce que je suis à 224... 324 sur 320. J'ai 4 kilos de trop. On va virer une arme. Une arme qui sert pas à grand chose. Ah, puis là, les pistolets de l'institut, j'en ai encore ramassé 50 000. Jeter. Allez, on va en garder un seul. Quoique, on va même pas en garder en fait, parce que c'est vraiment de la merde. C'est vraiment les trucs inutiles au possible. Hop, voilà. Bon, bah on avance. Allez, le paladin, on avance. Ouais, c'est vrai que de toute façon, il nous rejoindra là-haut. Bon, vous m'expliquez tous les deux comment vous avez fait pour être dans l'ascenseur, alors que quand je suis monté, vous étiez pas dans l'ascenseur. Ouais. Sauf que. Il n'y a pas. On n'a pas le truc de l'arme. C'est bien d'être dehors, mais. On est venu chercher quelque chose et on l'a pas. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un des synthétiques qui est au sol. Qui est ce qu'on est venu chercher. Sauf que lui, il s'est amusé à désinguer tout le monde. Pistolet.
Ah, il y a un cadavre là aussi. Pistolet. Matraque. Et là, ici, il n'y a personne. D'accord. Quête. L'appel aux arbres. Repérer l'émetteur longue portée. Ah, il est là-bas sur le cadavre. J'avais oublié d'activer la quête. C'est pour ça que je voyais pas l'émetteur longue portée. Voilà. Bah c'est parti hein. Donc on reclique sur l'ascenseur pour ressortir d'ici. Le bunker a l'air sûr. On y va. Et nous voilà ressortis derrière le bâtiment d'Arcade System. On peut dire qu'on a eu chaud, mais mission accomplie. Bravo. Je trouve qu'on forme une belle équipe, oui. Affirmatif. D'habitude, les civils sont incapables de suivre des ordres simples. C'est un changement agréable. Il nous reste deux points importants à régler. Première chose, si vous voulez bien me remettre l'émetteur longue portée, j'aimerais vous récompenser pour votre rôle dans la réussite de cette opération. Je pense que cette arme vous donnera entière satisfaction. C'est un fusil laser standard de la confrérie, modifié par mes soins. J'espère qu'il vous sera utile. Ah, l'autorité des justes. On a récupéré le fusil laser fabriqué par la Paladin Dance. Autant vous dire que ça aide beaucoup, parce qu'il a une bonne petite frappe de base. Ce n'est pas nécessaire, vraiment. J'insiste, gardez-le. La confrérie met toujours un point d'honneur à payer ses dettes. Et pour le deuxième point, je voulais vous faire une proposition. La mission ArcJet était tout sauf une promenade de santé. L'opération aurait pu tourner à la catastrophe, mais vous avez gardé votre sang-froid et agi en soldat. Pour moi, ça ne fait aucun doute. Vous avez toutes les qualités requises. Vous avez donc le choix maintenant. Vous pouvez passer le reste de votre vie de combat en combat, pendant vos services au plus offrant pour survivre. Ou vous pouvez vous engager dans la confrérie de l'acier et donner un sens à votre existence. Alors, qu'en dites-vous ? Alors, je vais vous expliquer pourquoi je vais faire mon... Je vais prendre un choix, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, je vais accepter. Faut savoir que la confrérie de l'acier, en fait, c'est une organisation qu'on rencontre dans Fallout 3, je crois. On l'a rencontre avant, elles y sont dans le 1 et le 2, mais je veux dire, au niveau de la nouvelle version de Fallout. Et on va mettre la pause pour pas qu'il me pose la question toutes les 30 secondes. Et donc, la confrérie de l'acier est une société qui récupère les technologies, en fait, pour les utiliser et défendre les gens. Voilà. Les gens opprimés en général. Et s'attaquent avec une. Et utilisent leurs armes avec une grande force contre les super mutants, les ghouls, les raiders, ce genre de personnes. Donc voilà pourquoi je fais ce choix et pourquoi je vais accepter en fait de rejoindre la confrérie de la cible. Retrouvez-moi au commissariat, nous allons voir les détails ensemble. Donc. Alors avant de rejoindre le Paladins au commissariat. Je vais retourner à Sanctuary pour déposer pas mal de choses parce qu'on a l'inventaire un peu plein, on a ramassé plein de choses. On va pouvoir commencer à s'amuser avec les armes. Je vais en virer aussi certaines. Je vais en mettre certaines au coffre. On n'a pas vraiment l'utilité pour le moment, comme le gros lanceur qu'on a eu, le jet lancer qu'on a eu tout à l'heure. On va garder le Fatman sur nous parce que le Fatman pèse lourd et le jet lancer aussi, donc il faut faire un choix. Ah oui. Hop, on va sortir de l'armure 30 secondes. Voilà. Et ouais, je marche à 2 à l'heure parce que j'ai trop de trucs sur moi. Et j'ai toujours trop de choses sur moi. Donc transférer. On va déposer. Alors on va déjà détruire des choses. Hop. Donc le pistolet automatique, celui-là on vire, on en a déjà un. Tout ce qui est de fortune, comme d'habitude. Donc comme je vous ai expliqué, les armes de fortune ne servent à rien. Elles sont pas efficaces, ne font pas assez de dégâts. Le fusil de l'institut, je vais en garder un. Mon pistolet, moi, je le garde. Cet automatique-là... Non, je garde le mien. Je préfère le mien, en fait. La carabine de combat, on va la poser. Donc, elle va être transférée. Le minigun aussi, d'ailleurs. Pour le moment, je n'ai pas d'utilité. Il pèse lourd pour rien.
L'autorité des justes, ça on garde, c'est obligé. Et le junk direct aussi, on va le poser. Donc, on va quitter vite fait l'établi. On va se remettre en mode transfert. On va poser des choses dans le coffre. Donc, on va se mettre sur notre truc à nous, dans les armes. Donc, j'ai dit le junk jet, pour l'instant, on le dépose. Je vais déposer toutes les grenades, parce que je ne m'en sers pas. J'aime pas utiliser les grenades dans le jeu. Parce que c'est trop aléatoire. Le suivi de l'institut, on va le poser. Bon, je viens de poser mon 10 mm. Je vais devoir le reprendre. J'ai fait une bêtise. La minigun. La carabine, pour l'instant, on l'a posée. Le mousquet laser, on en a plus l'utilité parce que l'autorité des justes utilise les mêmes munitions et nous servira plus. Ça, c'est bon. Je vais juste récupérer mon 10 mm que j'ai posé par erreur. Donc, le mien, c'est celui-là. Voilà. Et c'est déjà pas mal. Donc, déjà, le Fat Man pèse en poids 30,7 kg. C'est quelque chose d'assez lourd. Hein. Ça me prend... Dans mes capacités de portage, je suis à 149 sur 255. Donc c'est déjà pas mal, hein. Ça prend déjà pas mal de place. On a fait plein de place. Donc maintenant on va retourner au commissariat, qu'on a posé tout ça, qu'on a libéré un peu nos poches. Et on va aller voir le Paladin Dance, pour voir ce qu'il a à nous dire. Hop, retour au commissariat, déplacement rapide. Bon, avec ça, on n'a toujours pas approché de la quête principale, on n'a toujours pas continué à avancer. Mais bon, c'était une bonne idée, parce que ça nous a permis de récupérer deux grosses armes, le Junk Jet et le Fat Man, surtout le Fat Man. Vous allez voir, quand on va s'en servir, c'est jouissif. Ça nous a permis de rencontrer les gens de la confrérie d'acier, d'entrer dans la confrérie d'acier, vu qu'on va être intronisé par le Paladin Dance. Il va faire de nous un chevalier, un conscrit ou un chevalier, je sais plus. Il y a les scribes, je sais plus, j'ai un doute. On va voir. C'est parti. Ça fait plaisir de pouvoir courir et pas de se dire ah, il faut que je regarde si j'ai des réacteurs à fusion, si je vais pas tomber en panne, si mon armure va pas rester en plein milieu du champ. Là, pour une fois, c'est pas mal. Voilà. Donc, allez. De vous voir sain et sauf. Vous avez une bonne nouvelle pour nous ? Mission accomplie. Nous avons l'émetteur. La chance nous sourit enfin. Beau travail, Paladin. Je n'étais pas tout seul. Hélène ? Rhys ? Je souhaitais la bienvenue à la nouvelle recrue de l'unité de reconnaissance. Il a déjà fait ses preuves sur le terrain. S'il suit bien nos enseignements, je suis sûr qu'il sera promis un bel avenir parmi nous. Merci. Merci. Je promets de ne pas vous décevoir. Vous n'avez plus rien à prouver. La mission Dark Jet suffit amplement. Vous avez décidé de rester, finalement ? Je pensais que vous alliez juste empocher votre récompense et faire vos adieux. On t'en tue même pas, toi. J'en avais marre des récents buts dans le Commonwealth. Dommage. Je commençais à me faire à l'idée qu'on ne vous reverrait plus jamais. Rhys, ça suffit. Mais il est gentil, lui. Encore quelqu'un avec qui je veux bien m'entendre, tiens. Ou non. Et vous ? Vous allez devoir comprendre ce que rejoindre la confrérie implique. Nous ne sommes pas une bande de soldats du dimanche qui joue à la guerre. Nous sommes une armée disciplinée, soumise à un code moral des plus stricts. Si vous voulez rester parmi nous, vous devrez suivre nos préceptes à la lettre. Ne vous en faites pas, j'ai servi dans l'armée. Parfait. Dans ce cas, je vais vous épargner les longs discours. Ce que j'attends de mes subordonnés tient en deux mots. Respect et honnêteté. Vous rentrez dans le rang et vous y restez. Je vous donne un ordre, vous suivez. N'est pas plus compliqué que ça. Avant de vous confier à Hélène et Rhys pour vos ordres de mission, il me reste encore une chose à régler. À partir de cet instant, vous avez le grade de conscrit. Ah, c'est ça, c'est conscrit. Un grade réservé aux aspirants. Je ne suis pas autorisé à promouvoir qui que ce soit au-delà de celui-ci. Merci. Inutile de me remercier, soldat. Continuez à accomplir votre devoir de manière exemplaire, ça suffira. Ad victoriam, conscrit. Il sait même pas ce que ça veut dire, Hélène. Ad victoriam, ça veut dire vers la victoire. Nous nous battons pour l'avenir de l'humanité. Le mot « défaite » ne fait même pas partie de notre vocabulaire. Notre cri de ralliement est plus fort que toutes les armes du Commonwealth. N'oubliez jamais ça. Maintenant, présentez-vous à Hélène ou à Rhys pour recevoir vos ordres de mission. Vous pouvez disposer. Youhou ! Bon, bah on va aider les deux oeuvres. Scribe Hélène. On a déjà commencé par la sympathique. Rhys ne s'entend qu'avec lui-même. Rhys ne vit que pour la confrérie, elle est sa famille, toute sa vie même. Rien d'autre ne compte pour lui. Et si quelque chose le gêne, il le pousse hors de son chemin.
Sans ménagement, comme vous avez pu le voir. Je tâcherai de ne plus le gêner dorénavant. C'est la meilleure chose à faire. Laissez-lui un peu de temps. Il finira par changer. Alors, vous vous sentez d'attaque pour votre première mission ? Ah bah ouais, c'est parti. Hein. Excellent. Je vais vous expliquer de quoi j'ai besoin. L'une des principales tâches de la confrérie consiste à récupérer et à préserver la technologie perdue lorsque les bombes sont tombées. J'ai une liste de lieux où ont été aperçus des artefacts qu'il faudrait que vous récupériez, pour que nos scribes puissent les étudier et les cataloguer. Avec grand plaisir, mademoiselle. Je devrais vous donner tous les renseignements dont vous avez besoin pour trouver le premier. Bonne chance, et faites attention. Voilà, hop, nouvelle quête. Il ouvre le zoo. T'as déjà parti de coucher ? C'est moi. Debout. Bon, allez, crachez le morceau. À quoi vous jouez ? Oh. Lâchez-moi un peu. Je sais bien que je ne peux pas gagner avec vous. Qui parle de gagner ? C'est pas un concours. Je cherche juste à comprendre ce que vous faites ici. Vous n'êtes pas un soldat. Plus un loup solitaire. Alors je me demande pourquoi vous êtes toujours là. Quel intérêt de rester alors que vous avez eu ce que vous vouliez ? La confrérie est peut-être ma meilleure chance de retrouver mon fils. Pour le coup, je reconnais que c'est une bonne raison. Écoutez, je vais y aller mollo avec vous parce que Dance vous fait confiance. Mais si vous faites le moindre écart et que vous mettez mes frères et mes sœurs en danger, croyez-moi, vous le regretterez. Alors, cette mission, on peut l'envisager, oui ou non ? Oui, hein, vas-y. Hein. Oui. Bon, écoutez bien. Que ça nous plaise ou non, l'une de nos missions principales consiste à exterminer les saletés qui infestent le Commonwealth. Je parle des mutants, des ghouls, des synthétiques. Toutes ces abominations créées par ces scientifiques à la manque et leurs petits joujoux. Cette mission est on ne peut plus simple. Je vous désigne une cible et vous éliminez tout ce qui rôde là-bas. Tous les détails dont vous avez besoin sont ici. Ne revenez pas tant que le boulot n'aura pas été fait. Bon. Voilà, donc on a été à Arjet, hein, récupérer un système pour qu'il puisse communiquer avec avec la confrérie de l'acier. On a récupéré deux nouvelles quêtes, donc, dont une qui nous demande d'aider ces deux zouaves. Donc on a deux nouvelles quêtes, une où il faut récupérer de tuer des gens et l'autre où il faut récupérer quelque chose. Voilà, donc on a à chaque fois des nouvelles quêtes. Donc, vraiment, c'en a avoir pas mal. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter là pour aujourd'hui. Bonjour, merci à tous, comme d'habitude, de suivre la chaîne. Pensez à laisser des commentaires. Et d'ailleurs, le commentaire que je vais vous demander, ça serait, il est un peu pas obligatoire, mais bon. Je voudrais savoir, pour la prochaine vidéo, savoir si vous voulez qu'on aille sur la quête principale ou si on aide un peu la confrérie de l'acier avant de se lancer sur la quête principale. Voilà. Donc, je ferai le choix de la prochaine vidéo en fonction de ça. Moi, dans quelle direction on part. C'est vous qui allez choisir. Donc, je vous mets un peu à contribution. Donc, pensez à liker, à vous abonner, et comme d'habitude, je vous remercie à tous de nous suivre. Bonne journée, bye bye !